Expo. Oui, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, comme beaucoup de personnes à Grenoble et partout en France, j'ai été extrêmement choqué par la délibération que vous proposez. Vous avez cédé aux islamistes, sans doute pour grappiller quelques voix, sans vous préoccuper de la tempête que vous alliez déclencher, ou peut-être en l'espérant. En effet, on vous voyait moins sur les médias nationaux depuis l'échec de votre parti au présidentiel et l'absorption de celui-ci par les insoumis. Il vous fallait donc trouver un moyen de revenir sur le devant de la scène, fût-ce pour déclencher un gigantesque tollé contre vous. Comme disait Léon Zitrone, qu'on parle de moi, en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Ne vous en déplaise, monsieur le maire. Veuillez me pardonner ce terme un peu trivial, mais vous n'êtes pas le nombril du monde. Je vous rappelle que vous êtes seulement le maire de Grenoble, mais que vous seriez censé être celui de tous les Grenoblois. Il n'en est rien. Vous ne vous intéressez pas à ce qui est le quotidien de la majorité des habitants, mais vous vous préoccupez avec diligence de la volonté d'un groupe de femmes islamistes soutenu bien sûr par un agglomérat d'islamo-gauchistes qui voudraient nous faire croire que ce que, nous, vous, que ce que vous proposez est un progrès, et que nous, qui nous y opposons, sommes de dangereux réactionnaires, alors que c'est non seulement une régression, mais la porte ouverte à tous les excès que visiblement vous cautionnez par ailleurs. Je ne suis ni musulmane, ni islamologue, mais plutôt que de m'enfermer dans des croyances, comme cela semble être le cas de certains ici, j'ai cherché à comprendre. Je me suis renseigné et j'ai lu pas mal de choses qui émanent de personnes qui elles ont largement étudié la question, comme Naem Bestanji ou Razika Adnani. Vous et les vôtres, êtes sans doute plus enclins à écouter Tariq Ramadan, dont les liens avec l'Alliance citoyenne semblent avérés, puisque d'après le canard enchaîné du 3 juillet 2019 L'association est partenaire entre autres des étudiants musulmans de France considérés comme la branche étudiante des frères musulmans et que une des activistes pro burkini d'Alliance citoyenne en 2019 était madame Taous Amouti qui est entre autres à l'origine d'une pétition appelant à la libération de Tariq Ramadan incarcéré après avoir été mis en examen pour viol et qui ne l'oublions pas et le petit-fils du fondateur des frères musulmans dont l'objectif officiel est la renaissance islamique et la lutte non violente contre l'emprise laïque occidentale cette même personne a également déclaré après le massacre de charlie hebdo n'oubliez pas que c'est charlie qui a dégainé le premier donc oui tout cela prouve bien s'il en était encore besoin que la volonté de se baigner en burkini dans les piscines est bien une volonté islamiste je vais citer Razika Adnani, qui vivait en Algérie à l'époque où les attentats islamistes ont fait énormément de victimes. Dans son recueil de textes, Pour ne pas céder, elle dit ⁇ Mon intérêt pour l'islam en tant que sujet de recherche avait au départ un seul objectif ⁇ me protéger contre le fondamentalisme et son discours fanatique et obscurantiste qui se propageait autour de moi comme une traînée de poudre. ⁇ Elle dit encore, et là, c'est plus sur le burkini qu'elle s'exprime. Combien de fois avons-nous vu, en été, lors des grandes chaleurs, des hommes avec des bermudas et des t-shirts, alors que leurs femmes marchaient à côté d'eux, complètement couvertes À la plage, l'homme a le droit de jouir de la chaleur du soleil caressant sa peau, tandis que la femme, à cause de son corps dont on lui a toujours appris qu'il était un problème et qu'elle devait le dissimuler, est privée de ce plaisir. Ainsi évoquer l'argument d'égalité en défendant le voile ou sa version maillot de bain est un non-sens. Monsieur le maire, en voulant autoriser le burkini dans les piscines de Grenoble, vous favorisez ceux qui véhiculent ce discours obscurantiste et vous aidez à stigmatiser les musulmans et surtout les musulmanes qui voudraient juste vivre tranquillement sans se faire remarquer. Au moment où les femmes afghanes sont privées de tous les droits élémentaires d'un être humain et doivent, au péril de leur vie, se couvrir de la tête aux pieds, vous permettez aux tenants d'une idéologie de même type de dicter leurs lois. C'est invraisemblable et révoltant. Je vais évoquer un autre intellectuel que vos amis de l'Alliance citoyenne n'apprécient pas non plus, puisque toujours la même Taous Amouti a porté plainte contre lui, c'est Naem Bestanji. Il explique dans son livre Le linceul du féminisme que dans les années 90, la laïcité n'était pas un problème dans les quartiers, mais que les animateurs socioculturels dont il était, avaient commis une erreur. Leur slogan était ⁇ Le droit à la différence ⁇ alors qu'ils auraient dû militer pour le droit à l'indifférence. Je le cite. Cet angle aurait affirmé que nos différences étaient une richesse, mais qu'elles ne devaient pas être cultivées comme identité première ce qui mène à diviser et classer les citoyens selon leurs origines et leurs religions. Le droit à la différence est le lit du racialisme et du communautarisme, favorable à l'intégrisme musulman. Le droit à l'indifférence, bien plus respectueux de chaque être humain, est un des ferments de l'universalisme. Avec votre délibération, monsieur le maire, vous allez à l'encontre de l'universalisme, et d'une société où chacun est respecté en tant qu'être humain, au-delà de toute autre considération. Vous favorisez donc la séparation entre les communautés et les risques de violence et de haine qui peuvent en découler. Pour ces raisons, j'espère que cette délibération que vous avez maintenue contre vents et marées ne sera pas adoptée. Mais vous avez déjà fait beaucoup de mal en la proposant. Et la sérénité et la fraternité ne seront probablement et malheureusement plus possibles à Grenoble avant longtemps par votre faute je vous remercie. Merci.